Bonsoir, ça va, vous allez bien, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Voilà. Ce que les femmes de 2018 attendent des hommes, épisode 1. La première erreur à ne pas commettre. Quand ta copine te parle, oui, ta copine, ta vraie copine, ta vraie femme, ta vraie fiancée, pas la maîtresse qui n'a pas droit à la parole, pas ta chouine, ta vraie femme, ta vraie copine, oui, on le creuse comme assurance. Quand ta copine ou ta vraie femme te parle, tu n'as pas droit à la contredire, ni même à lui couper la parole. Si tu as fait ça, problème. Car on le creuse comme assurance, il n'y a pas une femme plus certaine, une femme légale, oui, légitime, qui te parle, toi, son mari, qui te fait des remontrances et que toi, tu es trop fâché, tu vas la contredire, voire même la couper dans sa parole. Abi, si tu es suicidaire, tu veux mourir, il faut essayer. Numéro 2. Les femmes ont besoin d'un garçon robot. Je t'explique. Le garçon robot qui dit oui à tout sans pour autant donner son point de vue. Ton avis, elle s'en bat les couilles. Quand elle parle, tu exécutes. Fais. Ton avis, elle s'en fout. Par la suite, faire du shopping avec elle pendant 18 000 heures, voire même passer 141 000 boutiques en revue sans pour autant t'énerver toi, sans pour autant t'agacer, sans pour autant avoir faim. Le shopping s'arrête lorsque madame a faim, lorsqu'elle est fatiguée. Là, le shopping s'arrête. Pendant le shopping, tu n'as pas droit à bouder, ni à t'énerver, ni à avoir faim, ni à parler. Au contraire, tu dois toujours sourire, tu dois toujours apprécier et donner ton point de vue. Malheur à toi si tu t'énerves. Malheur à toi si tu ne fais pas de compliments. Là, c'est la merde. Numéro 3. Les femmes ont besoin d'un garçon drôle. Ça, c'est primordial. C'est que c'est d'office, quoi. C'est que c'est la base de base. Si tu n'es pas drôle, voilà, c'est le problème. Parce qu'une femme a besoin de rire. Oui, c'est très important pour sa santé. Il faut détendre ses nerfs, oui. Parce que si ses nerfs sont tendus, tu es dans un problème encore. Elle te dira que tu es incapable de la faire rire. Et là, c'est grave. Quand ta gosse te dit ça, ah, là, c'est pas bon, hein. Donc, il faut que tu sois drôle. Plombier, cuisinier, garde du corps, électricien, chauffeur, papa, maman, oncle, frère et soeur, conseiller, papato. En plus, il faut être notamment puissant au lit. C'est très important et primordial. Sans oublier que la liste est encore longue. Numéro 4. Tu n'as pas le droit de sortir sans elle. Surtout en boîte de nuit. Il ne faut jamais essayer ça. Parce qu'il y a des questions qui vont suivre, qui vont t'énerver. Comme quoi, tu peux faire quoi en boîte? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que tu veux boire qu'il n'y a pas à la maison? Avec qui tu pars? Et pourquoi tu pars? Tu vas à quelle heure? Tu rentres à quelle heure? Il y aura des filles là-bas. Hein? Bien sûr, on en boîte de nuit, mais tu poses la question. Est-ce qu'il y aura des meufs? Lorsque toi, le con, tu réponds oui, là encore, c'est la guerre. Donc, elle te dira, moi, je suis ici, je ne te suffis pas. Tu pars en boîte de nuit à cause des meufs. Donc, je ne te suffis pas. Je ne te satisfais plus. Donc, c'est pour ça que tu es tout souriant. Donc, tu pars draguer. C'est pour ça que tu sors. Mais il fallait me dire que tu ne voulais plus de moi. Au lieu de me faire souffrir, elle passe d'une colère noire, mais ma capote télébère piteux, laveur, désastre, dans un tout ce qu'on reçoit, parce que c'est bizarre, c'est aïe, non, tu ne comprends pas, parce qu'il faut qu'on m'explique. Bref, véritable casse-tête. 5. Ta seule amie fille, c'est elle, pas plus, pas moins. Après elle, c'est elle. Ta maman, elle tolère. Tes soeurs, elle tolère. C'est tout. Hein? Donc, dans ta vie, il n'y a que 3 filles. Elle, d'abord, oui, c'est primordial. Ta maman, tes soeurs, tes nièces et tes cousines. Fin du débat. Le reste, c'est des putes. Et comme elle n'aime pas les putes, tu n'as pas droit à parler aux putes. 6. Contrôler tes amis Facebook, Twitter, Snap, Instagram. Chasser toutes les filles potentiellement jolies de ton compte Facebook et de tous les comptes des réseaux sociaux où tu es connecté. En le trouvant comme assurance, laissez que les garçons le dedans. Comme ça, elle est tranquille. 7. Contrôler ton téléphone H24. Tu ne savais pas? Je t'informe. Je m'arrête là pour l'instant. La suite au prochain numéro. Ciao. Ferme-moi.